Et plop les gens, bienvenue encore pour cet épisode de Zer Billions. On vient de perdre encore une fois au collet 3 et on n'avait pas pris les barricades. Et là, en réfléchissant rapidement, je me suis dit que peut-être que si j'avais mis une ou deux rangées de barricades devant les murs au nord, ça aurait fait bien le boulot. Et ça aurait permis qu'avec autant d'unités, je puisse défendre aussi de l'autre côté à l'ouest, parce que j'aurais pu lui mettre, je sais pas moi, un chemin de barricade et certains zombies seraient morts juste sur les barricades, juste sur les pieux. Donc on va tester ça tout de suite et ça marche ou pas. De toute façon, le prochain épisode ce sera la semaine prochaine, donc on verra ce sur quoi je me chaufferai. Là c'est 1000 colons, résister à toutes les hordes et détruire tous les infectés. Mais comme je disais aussi, entre les deux épisodes, le plus 20% de dégâts aux Rangers, ça fait qu'elles nous ont demandé de l'aide régulièrement, en mode « je me fais attaquer ». Mais il n'y avait pas forcément besoin de les micromanager, elles réussissaient quand même à pas mal se défendre. Et donc, je sais pas s'il faut faire d'abord des colons ou de l'énergie pour avoir la pierre tout de suite. Essayer d'avoir la pierre un tout petit peu plus tôt, mais je pense plutôt des colons. Là en haut, ça gêne un petit peu. Alors je le vise plus là. Ça, je pourrais mettre là. Ouais, je sais pas trop. Et comme à chaque fois, j'oublie de leur dire taper en priorité sur ce qui est plus fort. Quand on aura des unités de ouf, je suppose que ça sera surtout ces unités-là qu'on dira taper sur ce qui est plus fort. Enfin, en fonction de leur spécialité, quoi. Mais taper sur ce qui est plus fort ou plus proche. Mais tant qu'on a que deux types d'unités qui se ressemblent quand même pas mal. J'ai l'impression que ça change beaucoup. Attention, building completed.
under attack. Do you need me? Let's go. Aren't there other units to bother? Our forces are in danger. Whatever you say, as long as you're paying it. Any orders? At the station. Ici on pourrait pas le mettre. Là, la petite défense ici elle sert pas à grand chose si... C'est une grosse vague. Que la répartition d'ailleurs est-ouest tout au nord est un peu aléatoire, ça peut-être. En tout cas, j'ai ma caserne. Ça va pour le moment. Alors la pierre, ça augmente petit à petit. On l'a vu passer de niveau sous nos yeux. Si on avait 10 plus 9, ouais. Sortir. Voilà, un peu de micro pour elle. Pas si grave. Elle avance tranquillement. Oula.
long as you pay me. Okay, great. Yeah, roger that. 15 PV. Alors, on veut avancer. Alors, toi, je veux que tu viennes là. Ouais, ça a l'air d'aller. Alors ici, je l'avais mis là, c'était bien. Alors j'ai les sous pour ça, on va en profiter. On va même en profiter pour regarder si c'était plus intéressant de poser ça là. Parce que c'est un peu moins dans le centre. Ici, je pense que c'est plus perdu comme zone, quoi qu'il arrive. Parce que même en mettant le truc militaire, j'ai du mal à y caser une maison en plus, quoi. Ok, parfait. Toi, tu veux mourir. Si tu kites pas. Là, on va mettre ton mur. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus de mines de pierre pour le moment, on va dire. Tu vas juste faire de la patrouille du coup. Parce que à chaque fois que je te demande d'avancer, tu attires trop de monde. Alors des gens, ça aussi. Ah. Oh, de toute façon ici. Et quinze. Il y a 18 et 18, 18, 16. Ouais, c'est la même chose. Alors il faut que j'ai deux casernes peut-être. C'est possible, hein. Building completed.
J'ai des sous. Alors on a bien les pieux ici. On a dit peut-être le marché pour le moment. Quoique peut-être le chalet aurait été pas mal. Alors, dans tous les cas on veut un mur ici parce qu'il est bien protégé tranquillement. On peut en mettre devant ou derrière si jamais. On veut d'ailleurs ici. Oui. Voilà. Ici on va vouloir avancer un peu. J'ai pas assez de travailleurs. Normalement le soldier s'en débarrasse, enfin peut se débrouiller à peu près tout seul avec peut-être un peu de micro, donc si on lui donne deux rangers en plus. Ouais. Technology research finished. Ça. Et on va essayer de placer. Au sud, après, il faut que j'avance un peu, que je mette les murs. Faites des allers-retours en avançant légèrement. Les chalets c'est fait. On va prendre les fermes maintenant. Si on a besoin de travailleurs, donc les travailleurs, on peut les avoir grâce au chalet. Tout simplement. On peut aussi. Ouais. Yes, tell me. The train has arrived at the station.
defenses. Oh, more orders. Our soldiers are in trouble. Attention. Technology research finished. Ok, et les pieux, et voilà, on aura tout recherché. Ah, d'accord, réveille-la d'abord avant de... À ce niveau-là, c'est pas la meilleure strat. La meilleure strat, c'est bien sûr d'attaquer d'abord ceux les plus forts, mais... S'ils sont en train de dormir, c'est pas grave. Obligé de les réveiller. The walls are under attack. Units under attack. Our defenses are being attacked. I was cleaning my weapon. Do you need me? Understood. On your orders. All right. They are attacking the colony defenses. Understood. J'ai des sous, j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'énergie. Ça, voilà. Il faut des ouvriers là, la ligne de l'air. J'ai quand même gagné beaucoup d'énergie, donc ça devrait aller. Prochaine fois qu'il y a le 1, on devrait être bon pour avoir le marché. Le marché qui fait qu'on a le marché qui nous permet de dépenser moins de... Ah zut. Orders.
Donc on a dit le train arrive, on peut faire le marché, pourquoi on peut pas? 200 colons minimum. Ah. J'ai oublié ce détail. Est-ce qu'on va pouvoir faire une deuxième tour genre? Ici, oula. Limite, on en fera deux, hein, de toute façon. Au moment de se faire attaquer. Et on va commencer à faire des maisons là. Tu bugs, c'est pas grave. Bon, le train est là. Oh. Voilà, on a plus que des chalets. Toi, quand tu vas? Non, toi tu vas bien. Maintenant il faut qu'on aille au nord, qu'on aille au sud. Puis on en mettra un autre par là. Ouais. C'est en train de tirer beaucoup de monde. Tirer beaucoup de monde, tout ça. Je l'ai laissé là en défense parce que de toute façon il est lent à faire la traversée. Ça va être défendu à terme, mais voilà quoi, c'était pas l'idéal. Alors ici, on va pouvoir mettre hop, une porte là. Dès qu'il y aura plus de zombies. Et on va boucher et on utilisera la zone comme on veut. D'ailleurs maintenant il y a une il y a un marché, du coup il faudrait avoir le maximum de pierre, puisque la pierre excédentaire sera vendue, donc c'est plus gênant d'en avoir en excédent.
Ok, vous vous revenez là. Et ça c'est la mouise. Il faut 3 de bois et 10 d'or. C'est le même prix. Parce qu'ici je suis pas défendu, en général il y a des pseudo-attaques partout autour. En ces moments-là. Essayer d'économiser le maximum de poids parce que c'est ça qui nous manque là tout de suite maintenant. Parce que là j'ai beaucoup à refermer en instantané. Comment on va faire? Devrait être gérable, géré même. Que je l'espère, parce que c'est pas l'endroit où c'est le pire normalement. Donc ici on n'a pas rechassé vite. Ouais. They are trying to break through. My bow and arrows are ready. J'ai beaucoup moins d'armée que la fois d'avant, ça va mal se passer. Et ça se défendra ici. Ici, je sais pas. Ici, il faut que vous veniez là. Au secours. Better be good. Are you sure? You hold that. My bow and arrows are ready for orders. Yeah. Great. Are you sure?
you're gonna pay me for this, right? What? Okay. Great. Gotcha. Roger that. C'est la mouise, c'est la mouise, c'est la mouise. The walls are under attack. Yeah. Units under attack. What? Aren't there other units to bother? Great. Ces énergies. Non, ça va, j'ai déjà. Là, là, ça va se faire défoncer. C'est que c'est qui trois archers vont pas défendre. Là il y a une petite attaque en même temps. Potentiellement la même de ce côté et j'ai aucune défense ici. Les deux ont un PV chacune, donc ça va pas tenir longtemps. Voilà. Ça se passe ici, limite ça passe pas mal ici. Bof, il y a l'air de rien avoir, ce qui serait cool. On n'a même pas pu voir l'efficacité des pieux. On n'a même pas pu voir l'efficacité des pieux. J'ai juste foiré de mon côté au sud. J'ai pas compris pourquoi il y avait eu cette attaque. Du coup ça fait une petite vidéo, est-ce qu'on essaie de l'agrandir ou est-ce qu'on s'arrête là? On va s'arrêter là, je pense, en tout cas pour la VOD. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt en espérant réussir cette mission. Et elle m'énerve, donc je vais peut-être passer à celle d'en dessous qui me fait peut-être peur pour pas grand chose, là, le Cap Tempest. Peut-être que moi je m'acharne sur cette mission et qu'en fait le Cap Tempest j'y réussirai mieux, ou inversement. Je ne sais pas. Mais ou alors la Horde d'infectés, mais bon, la Horde d'infectés va me donner que des... me donner accès à une mission de niveau 3, donc si j'arrive pas à l'émission de niveau 2, ça va être la mouise. Bref, à bientôt.